Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. On se retrouve dans une vidéo hautement pas probable étant donné que j'ai récupéré encore du astre radieux. Alors je sais ce que j'avais dit que j'allais m'arrêter là pour les ouvertures. Mais après j'ai été chez Auchan, et chez Auchan ils avaient mis des tripacks. Du coup, j'ai regardé les tripacks, je me suis posé une question simple, à savoir, est-ce que je le mérite? La réponse fut toute trouvée et vraiment indéniable, bien sûr que oui je méritais les tripacks. Entre nous ça s'appelle la méritocratie. Du coup je me suis offert plein de tripacks pour les ouvrir tous avec vous. Aujourd'hui donc on se donne rendez-vous pour l'ouverture de 3 tripacks, c'est parti! C'est parti! Pour rendre cette vidéo plus sympathique, comme vous pouvez le voir, j'ai d'ores et déjà déballé tous les tripacks. Comme ça, enfin j'en ai déballé 3, les 3 autres sont encore emballés. Je vais mettre mes petits Evoli sous sleeve. Voilà, on va les prendre, ils sont fort sympathiques. Donc ça vaut rien, hein, les cartes promo comme ça, on va pas commencer à se raconter des histoires. Hop, donc c'est parti, on a tous les boosters ici, je les mets tous sur le côté. Par contre, il y a une espèce de brillance, vous avez vu? Je sais pas pourquoi ça fait ça, on voit des reflets. Attends, peut-être si je baisse cette lumière-là. Ouais, bon, écoutez, ça a pas l'air dégueulasse non plus. Hein. Donc bon, on va voir. Je vais voir ce que ça donne au rendu. J'espère que ce sera quand même... C'est pas ouf, hein, j'ai l'impression, niveau qualité, on va bien voir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Clac. Écoutez, c'est parti avec un barloche. Les couleurs sont pas ouf, hein. Il y a un problème de... Attends, peut-être si... Ah, j'ai l'impression que c'est mieux depuis que j'ai essuyé la caméra. Il devait y avoir une petite saleté. Mais voilà, c'est réglé. Carte énergie, on va direct au plus intéressant. Hein. Troisième une commune avec E-flèche. Non. Et que dalle. Bon, alors, on traîne pas sur les boosters éclatés. Les amis, bien sûr, faut que vous le sachiez, on en parlera un petit peu plus. Je vous présenterai quelques cartes. Je ferai une super vente aux enchères sur Beats le 7. Honnêtement, ça va être démentiel ce que je vais passer ce mois-ci. Je vous conseille de rien louper, hein, franchement. Voilà. Bon, après, en même temps, je vais pas vous conseiller de louper, c'est mes cartes. Hein, voilà. Mais non, mais franchement, honnêtement, je vais sortir du très lourd. J'ai pris quelques petites décisions dans ma collection. Je voudrais vraiment me mettre à collectionner le PSA 10 de manière globale. Il est possible que je passe certaines cartes de fou. Voilà. Attention! Non? Et non, c'est dommage que j'ai mélangé les tripacks parce qu'on aurait pu voir s'il y avait des tripacks meilleurs que d'autres. Ça n'a aucun intérêt pour voir, mais c'était juste par curiosité, quoi. Troisième booster, pour le moment, c'est de la merde. Hein. Donc, coût total de cette ouverture, 16 x 3, 48 euros. J'ai payé les tripacks 16 euros. Honnêtement, j'achète pas de tripack à 19 euros, à 20 euros. Le tripack, c'est 15,99. Donc voilà, soit j'en trouve à 15,99, soit j'en achète pas. Attention, oh, l'insécateur. Ah ouais, non, j'avais l'impression qu'il restait une carte. Ok, bon, il me reste combien? Du coup, il me reste 6 boosters. Ok, 6 boosters. Faut que ça envoie. Allez, 6 boosters, les potes, c'est parti. Donc, les vidéos vont assez vite, hein. T'as vu, je prends pas, je mets pas 8 ans maintenant. Les ouvertures, on s'en claque, des communes, tout ça, tout ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je vous invite tout de même à liker, commenter, partager, ça fait plaisir. À me suivre sur les différents réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, le reste, on s'en bat les couilles. Voilà, Instagram, David Lifeka. Hop, c'est parti. Psycho Quack, Captain Joyce. Ah, petit TG. Alors, fais voir, parce que ça y est, hein, sur Pokécardex, ils ont listé les cartes. Pokécardex, c'est le site référence que j'utilise pour checker les cartes de l'édition. Hein, voilà. Attendez, je check. Est-ce qu'on peut avoir en TG de sympa? Bon, visiblement, de toute évidence, c'est pas un dresseur. C'est pas un bord noir non plus, donc c'est pas ouf. Ah, c'est peut-être le hibou. Yeah! Hoot hoot! Ok, ça va. Du coup, hoot hoot! Ça fait plaisir. Putain, j'ai un truc dans l'oreille. Ok. C'est un double hit, frère. Double hit. Imagine, je sors une alt. Imagine, je sors Dialga. Dialga ou Palkia. Ou Dardanian. Imagine, je sors une alt. Oh, je suis au top, mon frérot. Ça s'appelle la méritocratie, frérot.
toute façon, je m'en fous hein, de l'état, tout ça. La carte est trop belle, quoi. Eh, le gars, ça, c'est un booster. C'est un booster, il fait plaisir. C'est un booster, il te... Voilà, il te carie, hein, comme on dit dans le milieu. Oh, ça fait plaisir. Pouah ! Let's go, mon frérot. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et c'est reparti, hein. Ah, ça fait plaisir. Putain, j'ai 15% de batterie sur le réflexe, je me sens pas bien. Je vois la batterie, elle fond comme neige au soleil, je me sens vraiment pas rassuré. Allez, petite alternative, là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir, ça, mon frérot. En plus, c'est vraiment... on a eu deux cartes. Et ça, c'est cool. Vas-y. Bon, j'accélère un peu parce que je vois que la batterie de mon réflexe est à fond. Non. Non. Allez, petit Luxray. On prend. L'illustration est vraiment très belle hein, de ce Luxray, par contre. Je tiens à le préciser, je tiens à le dire. C'est très rare que les illustrations soient aussi belles sur des V. C'est vrai que les V, on a tendance à s'en foutre un petit peu, quoi, tu vois. C'est pas méchant, mais voilà. Bon, putain, hey, j'ai quand même eu de la chance. Putain, deuxième alternative, c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, la carte est... Ok, la carte est toute griffée, là. La carte est toute griffée de partout. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas Jerriga ou Palkia, mon gars, parce que griffé comme ça, ça ferait triste. Attention. Encore une alternative, quoi. Trop bien. Hop. Non, ce n'est qu'une rare, tant mieux, on va dire. Bon, il me reste 3 boosters. J'ai 11% sur le réflexe. J'ai commencé la vidéo, il avait 25. 10%. 10%, je pense quand même que ça peut le faire. Ah. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est bon, ça. Allez. Medina, Yanma, ça va vite, ça va très très vite, mais en même temps, la vie va vite, hein. La vie va vite. Non ? Galopa, 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 il me reste 2 boosters, les gars, de Palkia. Je sais que quelqu'un m'avait donné un moyen mémotechnique, mais je l'ai oublié. Si la personne passe par là, pour reconnaître Dialga et Palkia, diamant, je crois que c'était un truc comme ça, le diamant... Pour Dialga, parce que le diamant, c'est bleu. Ouais, c'était de ça. J'aimerais bien ouvrir Dialga. Dialga ou Palkia. Mais Dialga en plus. Dialga en plus, parce que la carte est vraiment incroyable. Je regrette un peu d'avoir vendu mon 10, d'ailleurs. J'avais le 10 de Dialga en CCC grading. Attention. Après, je m'en sors bien, parce que j'ai déjà, dans le fond, topé une alt. Non. Oh, le Givrali, il est très beau. J'ai l'ai eu maintes fois. Dernier booster de cette ouverture. Pour le moment, 3 hits. Mais après, j'ai l'alternative, tu vois. Donc bon. Bah, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, je suis quand même bien. Hop, attends. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Je vais à la vitesse lumière parce que j'ai trop peur que mon réflexe y coupe. Il a 6%. Ça fond vite la batterie. Hein. Attention, un sécateur. Barbantua, Voltorb. Allez, une dernière carte peut-être pour finir. Ok, une commune. Attention! Non? Dresseur? Ce serait lourd d'avoir un beau dresseur. Vitalité de Flo, honnêtement, je sais pas si c'est le meilleur, je pense pas. J'en vois des plus jolis à mon goût. Roxane est stylée, mais quand même. Les gars, les tripacks là, qui me mettent dans un espace-temps. Il me reste 3%. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Moi, franchement, je suis trop content. Petite alternative, dresseur, TG. On est bien. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment. C'était David K pour... la chaîne YouTube pour la communauté, pour les collectionneurs. On se dit à très bientôt. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidKTCG, du lundi au vendredi. Peace.